C'est la prophétesse Frida, fondatrice de la Tour de prière Semeur TV, qui bénit des milliers de personnes dans le monde entier par ses prières, ses enseignements, ses programmes de jeûne et prière. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos témoignages de repentance, de guérison ou encore de visitations surnaturelles. Les femmes qui étaient stériles hier, aujourd'hui, ont des enfants grâce aux prières de la Tour de prière Semeur. Les personnes qui étaient attachées par des réclamations familiales, ceux qui étaient attachés dans les échecs, aujourd'hui vivent le succès. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à travers la Tour de prière Semeur. Aujourd'hui, Dieu a mis dans notre cœur une vision, la maison de prière. Imaginez une maison de prière ouverte à la prière, l'enseignement et la communion fraternelle tous les jours. Elle sera ouverte à la prière en permanence. Toute personne qui aime le Seigneur Jésus, qui veut voir sa vie spirituelle changer, augmenter, toute personne qui veut se garder et se préserver afin qu'au jour où Jésus va revenir, qu'il puisse être prêt, alors la maison de prière sera ouverte pour tout chrétien, quelle que soit sa confession. Imaginez une maison de prière qui soit ouverte aussi pour soutenir les démunis. Une maison de prière qui va soutenir les pauvres, ceux qui sont en difficulté, nos frères, nos sœurs, nos familles en Christ qui sont en difficulté pourront venir à la maison de prière pour trouver de quoi manger. Car Dieu dit dans le livre de Malachie que apportez dans la maison de prière vos dîmes et vos offrandes afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Dans Ésaïe 62 au verset 6, il est écrit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils se tairont ni de jour ni de nuit. » Oui, la maison de prière consiste à tenir le feu de la prière de nuit comme de jour, afin de nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nos cœurs soient préparés pour l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sollicitons vos dons. Veuillez nous aider à pouvoir réaliser la maison de prière avec vos dons. Si vous avez 20, 30, 40, 50, 60, 100 ou encore au-delà, vous pouvez donner vos dons pour la réalisation de la maison de prière. Je répète encore, ce message est pour tous les chrétiens à travers le monde entier. Si vous êtes chrétien, ce message vous concerne. Aidez-nous à bâtir la maison de prière. Nous avons trouvé la salle, maintenant nous avons besoin de finances et le Saint-Esprit nous a mis à cœur de demander à tous les chrétiens à travers le monde. Si vous êtes déjà membre de la Tour de prière Semeur, ce message est pour vous. Si vous n'êtes pas membre de la Tour de prière Semeur, ce message est aussi pour vous. Veuillez nous aider à réaliser la maison de prière. Bien aimé, dans la maison de prière, il y aura aussi ce qu'on appelle le mur de souvenir. Toute personne qui donnera son don verra son nom inscrit dans le mur de souvenir. Comme pour dire au Seigneur, Père, souviens-toi de cette personne qui a fait que cette maison soit réalisée. À chaque fois qu'il y aura un miracle dans la maison de prière, à chaque fois qu'il y aura une vie transformée dans la maison de prière, vous serez bénis parce que c'est grâce à vous que la maison de prière aura vu le jour. Allez tout de suite cliquer sur le lien sous la vidéo et on se retrouve de l'autre côté pour votre don. Et vous pouvez aussi par la même occasion envoyer votre sujet de prière. Nous ne manquerons pas de prier pour vous. À très bientôt dans la maison de prière. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom.